Le truc. Du sang. Il n'est pas un mec gelé. Bah putain. La musique, par contre, est sensationnelle. Ah oui, merde, je vais mettre le test par rapport à ça. Bon, je le ferai à la fin. Sur les deux jeux, on fera sur le test des deux. Inspiré de Metro 2035. C'était une excellente série, hein, très franchement. Même si elle était linéaire sur ça, avec quelques zones où on explore un peu. La série Metro était une très bonne série, hein, franchement. Après, le troisième. Il avait pas une très grande note à la base que j'ai vu. Par contre, beaucoup de fans attendaient un troisième opus avec impatience. Ok, bon. C'est parti. Non mais enfin si, j'ai pas envie de me casser le cul. Après, s'il y a une chose que je déteste chez Netflix, c'est qu'il fait vraiment peur. Y a les monstres qui arrivent sur ta gueule, tu les vois pas venir, Je me c'est... souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait. Et nous avions même conquis le ciel. Mais un jour, tout bascula. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Mais après, tout changea. Ce fut la panique, la destruction, la mort. Rien ni personne n'était préparé à ce qu'il allait là. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'Ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Mais oui, la guerre est une chose horrible de nos jours. Si nous procurait une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour.
Le monde a changé depuis la Troisième Guerre mondiale. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Le monde de nos jours, après la Troisième Guerre mondiale. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Tu es la dernière chance de l'humanité. Eh oui, le monde a bien changé. Si je fais aussi ce jeu, c'est parce que il y a maintenant des quêtes à accomplir dans le Game Pass qui peuvent vous procurer des points avec le Microsoft Wear. Ça vous permet de pouvoir débloquer des récompenses, comme des cartes cadeaux, Xbox, des tirages au sort, des trucs de genre. Chaque fois que vous accomplissiez des genres de quêtes liées au jeu du Game Pass. Donc ça fait partie d'une motivation un peu supplémentaire, hein, pour ça. Oh non, pas les égouts! J'aime pas les égouts! Ça fait toujours flipper. T'es sérieux, j'ai qu'une balle? Putain, je déteste ce genre de jeu qui fait flipper à moi. Je peux pas l'ouvrir, machin. Oh là, le pauvre. Les pauvres gars, plutôt. Je détourne le regard, j'ai pas envie de flipper. Putain, j'ai déjà gâché mes deux balles. J'ai pas des munitions, putain. Ça va, mon chat?
Oh putain. Oh putain, j'en étais sûr. Dégage. Dégage. J'ai peur, ce con. Voilà pourquoi je déteste comme ça. Le jeu est bien, mais il fait grave flipper. Hop, on recharge. Rien, y a rien d'autre. Ça venait, bande d'enculés. Il n'y a plus que 7 balles. Ah, c'est pas vrai encore! Putain, ces tunnels sont infestés de crêpes. Et ça vient. Tiens, ça prendra. C'est mon vol. Quand t'es caché, enculé, viens. Ça. Nya, nya, ah. Allez, allez, meurs. Putain, ils sont trop nombreux. Retourne par le contrôle. Putain, je me suis fait défoncer la gueule. Putain, ils sont trop chauds. À peine commencer la partie, je me fais déjà niquer. Bon, on se casse. Allez, ouvre, ouvre. Dépêche. Ah. Dégage, enculé. Putain, ils sont combien? Ouf. Bah merci les gars de m'aider, hein. Allez.
Comme mes chiens bouffer la gueule. La routine, quoi, les gars. La routine. Oh putain la vache. Eh ben, je vais morfler quand même, hein. Et ben, en même temps. C'est ce qu'Artyom fabrique. Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé le commissaire. Il a dit qu'il arrivait demain. Hé, hey, vous, laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le métro? Le boulet dedans. Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Oh putain, les mecs, vous êtes des frères, hein. Non. Ah. Ouf. J'ai bien morflé, moi. Tiens, salut toi. Artyom, tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Et toi, t'es sacrément bonne, toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel! Salut, Alex. Te voilà, crétin enchaîné! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire si tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'homme après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? À vous. Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. En même temps, je me bats pour que ce monde survive. Pourquoi, à ton avis, je sors? Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Oui, oui, je te promets. Enfin... Artyom. Quand je serai mort. On a réussi à te remettre sur pied, mais... Les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Oh, pas grave, ça se trouvera un autre mec, hein. Comme ça. Comme tu dis, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. C'est quoi ce truc? Je passe tellement de temps à la surface. Hop, vous êtes allés lire, les gars. Ouais, je vais essayer de lire. Travaille ou pas, s'il continue comme ça. Tu sais, tout le monde ne supporte pas de rester cloîtré ici. Hein? Et pourquoi pas? Ça va, gamin? Oncle Artyom, t'inquiète pas, je te crois, moi. Tu m'emmèneras quand t'auras trouvé un endroit sain. Ouais, qu'est-ce que je peux, petit, hein? Artyom, arrête de lui mettre ses idées dans le crâne. Je ne veux pas qu'il perde la tête comme toi. Il dort plus depuis que tu lui as raconté toutes ces bêtises. C'est censé le réconforter. S'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Alors que les mutants augmentent en nombre.
Mais malheureusement, c'est ce qui nous reste à nous battre. Si on se bat pas, femme, on pourra jamais survivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bonne note? Par où on sort? Ça m'étonnerait qu'une planche de Samy nous attende dehors. Qu'est-ce qui aurait pu résister à la surface après toutes ces années? La seule véritable solution, ce serait une évacuation complète. Mais pour aller voir. Alors, je ne suis plus dans l'ordre. Qu'est-ce que tu vois? Je prends mes décisions tout seul. Et pour un si oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, tu... Sacrée fouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme, à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. T'as trop beau. Indigo, comment, toujours aussi obsédé. Laissez-le respirer. Bon retour parmi nous. Merci, les gars. Vous, au moins, vous êtes des potes. Ok, c'est bon. Je vous accorde une pause. Vous avez deux heures. Ouais, ouais. C'est un coup. J'en étais sûr. Du coup, j'ai apporté quelque chose. Mais c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Ouais. Une semaine plus tard. C'est le cliquetis du compteur Gégère. Faut que tu gagnes espoir, chérie. Oh oh. Ah oui. Et il y a aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons. Je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. Et tu commences à baisser les bras, jamais tu trouveras. Ce monde doit survivre. On a un peu traîné, il est temps de changer de filtre. Allez, change de filtre. T'as passé un peu de temps à l'infirmerie comme ça. Bon sang, mon père va me tuer si tu découvres que je suis monté avec toi. Et plutôt deux fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? J'ai pas perdu mon temps. Aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Il n'y a que des monstres qui ont pu survivre à la surface. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart avec une cuisine et une douche. Passons juste à notre tour. C'est pas assez stable. Mais si, ça c'est stable. Au moins ça. Bon, je crois qu'on est tiré d'affaire. Oh, t'as entendu? Ouais. Il y a du monstre dans le coin. Petit. Hmm? Putain, il m'a niqué la gueule, ce con! Tout va bien? Oh, juste deux, trois égratignures, chérie, t'inquiète. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés.
Si je me souviens bien, l'histoire se déroule un peu après qu'il ait sauvé Anna des soviets, je crois, non? Je suis pas sûr. Bon, un truc du genre. Alors que je regarde à peu près sur quel moment de l'histoire ça sert à... Eh ben, en tout cas, graphiquement, il est très très beau. Un monde post-apocalyptique dans toute sa splendeur. Les contrôles sont pas trop mal. Stop. La meute est là. J'ai un gros problème parce que là je suis crevé. Adieu. Mon casque a pété. Oh, mais la façon dont je meurs, sérieux. Comment ils ont pas précisé comment réparer le casque, tout ça. Putain de monstre de mes couilles. Ils font mal en plus, hein. Putain, j'ai plus de balles. Je peux pas en réparer de balles. Ah, quand même. Voilà. Dans le champ. Hop, un filtre. Bon, c'est tiens. Contrôle, sauvegarde des parties. Moi, c'est bien. Et on ne sait jamais. L'effet. Ah, j'ai pas d'inventaire, non. Bon, on s'en fout. Ça nous éviterait un détour. Parle pas trop vite, hein, chéri. Hein. J'appelle un blizzard. J'y vois rien. J'entends rien non plus. On passe en liaison radio. Artyom, tu vois ce que je vois? C'est pas moi qui délire, hein? Waouh. Un train?
On essaie de le rattraper? Regarde! C'est les gars de l'ordre! On dirait qu'ils poursuivent aussi le train! Rejoignons-les! Comment vous êtes arrivés ici? Vous avez vu ce truc? Salut! Venez, montez! Oh putain, salut les gars! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous auriez dû vérifier avant, connard! Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre, ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Ils se cher. Passent pas dans votre tas de ruines. C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais cela nous a capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. Je te l'avais dit, hein. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Ouais, bah attends, on va voir déjà ce qu'ils veulent. Il va le padrer, il va me tuer. Bah, file-moi ton masque, toi. Et mes armes, ils m'ont tout prise. Quel bordel. J'ai récupéré des musiques. Oh, ça fait du bien. Eh ben putain. Allez, on avance. Ah oui, il faut que je passe. Ah d'accord, vas-y. Hop. Non, les coups. Allez. Hop, hop. Hop, 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 hop. Personne en vue.
arme braquée sur l'ouverture. Si quelque chose en sort, tire. C'est l'endroit parfait pour poster un garde. Si on a des choses à faire. C'est par là. La plaque tournante se met en marche. Jamais ces conneries, ok? Des animaux. Comment ils peuvent? Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur! Ah, il ne frappe pas, mec! Je suis de ton côté. Merci, vieux. Vivant. Tu es venu pour elle? Très bien, très bien. Je vais t'aider. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Eh bien, attends, d'abord que je trouve. Ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route. Mais doucement, si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre. Moi, je fais diversion. Je vais voir que... J'avais remarqué. Jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Bravo. Allons-y. Okay. Viens.
passe, allez. Bonne chance. Merci vieux, je t'en voudrais ça. Coucou chérie. Bon, voilà, ça c'est fait. C'est pas vrai. Tu es vivant. Vivant. Tu es blessé. L'insigne de Hunter. Il a arrêté la balle. Oh, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Eh ben mon gars, tu vas te donner des explications. Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice versa? Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des cafards. Bon, bah va falloir se battre. Ah, salut gars. Je suis avec lui. Vous. Il faut filer. C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Il faut qu'on sorte là avant qu'il récupère. Merci vieux. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Allons-y. Qui êtes-vous? Andrei Ivanovich Yermak, le conducteur du train. Fiez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. T'inquiète, tu es vivant. Que la guerre commence! Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main! On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie mais eux non plus. Visibilité, Artyom. Tu ne bouges pas trop vite, passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, vous pourrez la voir. Ouais, c'est allé discret. Bon. Oh putain, mais il part vite! Putain, l'enculé! Vous m'aurez pas vivant! Merde, j'ai plus de balles! Ah!
Hop, je récupère. Parce que là, ça va être chaud. Ouf, ouf. Hop, ça c'est fait. Ah, tu peux pas aller avec ça. Mais je change d'arme. On pourra toujours servir. Attention, le centre du commandement a subi une attaque ennemie. Artyom, le hangar est juste là. On pourrait passer en force. Je change de position, Artyom. Ok, je m'infiltre. Artyom, les déplacements du personnel à l'intérieur sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Tu peux enlever ton masque, Artyom. Le système de brouillage est en cours de réactivation. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yarmak. J'ai pas d'autre arme. Il y a un truc ici. Ok. Ah putain! C'est pas des munitions pistolets que j'ai ici. Ok, merde. Faut que je récupère le pistolet. Allez, hop, on avance. Bon, bah, le sort va se préparer. Y'a rien là-bas? Si. D'où ça va? Ouais, merde! Putain, mais cours!
Allez, venez vous battre, bande de chiens! Allez, amène-toi. Viens voir papa. Viens voir papa, bon enculé. Et c'est fait. Et voilà. Couché. Non mais sans blague. Bon, on va récupérer l'ensemble. What? Oui, il tire ce truc. Pas de le tirer. Régler un peu plus tard. Normalement, j'espère avoir récupéré près de quasiment toutes les munitions. C'est ça, viens voir papa. Il va falloir s'occuper d'eux d'abord. Artyom, l'ennemi est sur moi. C'est un vrai problème. Qu'est-ce que je suis content de voir. Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco. Elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, on risque d'avoir toute la base sur le dos. Mais vos bats, bande d'enculés! Qu'est-ce qu'ils sont? Coucou toi! Hop, meurs! Attends, d'abord je récupère toutes les munitions, chérie. Active la plaque tournante. Tu pouvais pas le faire. Putain, la fin ça sert à rien. Alerte, que tous les groupes rejoignent le hangar. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était violent. Est-ce que ça va? Hey, il y a une commande manuelle sur la plateforme. Elle est difficile à tourner dans...
récupère tout. J'ai adoré ce petit moment de face à face là. Vous devriez mettre vos masques, les joints sont peut-être abîmés. Ah putain. Ils ont lancé une grenade flash. J'ai bien ma petite idée. Il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier. Des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous, vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce... Vous savez que c'est pas moi qui l'a cible. Propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en coûte. Bien sûr, Artyom, Anna... L'ordre n'abandonne personne. Si c'est pas nous, qui... Qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Putain, ça part d'une cabaretterie impressionnante. Là, ça commence à me plaire, ça. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Mais ils avaient une raison de le cacher, je suppose. J'ai bien une théorie par rapport à ça. Alors que je te faisais irradier à la surface, mon père enchaînait les mensonges. Envers toi et moi. Bon, ça sent le bordel. Qu'est-ce que... Aux armes! Faut se battre, les gars!
C'est la guerre. C'était un avertissement. Si vous n'obéissez pas, nous tirons à vue. Sans. À vos ordres, colonel. Là, vous me plaisez. Allez, crevez, bande de bâtards! Je veux niquer vos gueules! Putain, mais pour viser, c'est chaud. Hein. C'est le moment de changer de filtre? Merde, non, j'ai pas dit, c'est retirer le casque, du con! Change de filtre. Bon, j'avance. Deux, un,
Saute! Ça va sauter, mec! Tiens bon! Boum! Maintenant. Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Et voilà. Nous arrêtés à une centaine de kilomètres. Ça part à la guerre ultime. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent. Et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Nous allons voir. Je suis curieux de voir, mais après... Soit il voulait contrôler le monde. Ça... Où il voulait empêcher les gens d'arriver pour être trop débordés, éviter d'être trop débordés. Quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi, pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant qu'Artyom sorte avec sa radio et se prenne toutes ses radiations. Non ! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs, maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'Arche. Bien, voyons ça. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu des gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Bien sûr, mais c'est une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux, le commandement. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leur caisse? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit? Si jamais Artyom trouve leur signal, tu comprendras tout de suite. Sinon, si tu as rien à dire. Tu t'imagines que trouver cette arche dont tu parles, ça va tout arranger?
Non, je crois pas. Mais si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'en prie. Oui, j'en ai une. Trouver un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Tous les balanciers à l'ennemi. En vrai, une bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes. Attends, c'était quoi ça? Écoutez, vous tous! Très bien. À quel endroit est-ce que ces chiffres correspondent? Ah, je l'ai! Alors, c'est quelque part par ici, le mont Yamantan. Alors, pour l'atteindre, il faut passer par là. Voilà notre objectif! Alors, c'est ça que tu avais en tête? Oui, exactement! Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. Il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Trouvez la question sérieux. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça! Oui, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Il est plus que temps, oui. Appelons-le Anna, ça ira bien. Va te faire voir! Quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de... Vous savez, quoi? Beaucoup mieux. Eh, pas mal. Ça me plaît. Un nom ravissant. C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Buvons à l'Aurora! Et voilà. Hey, bon. Tom, jetons un œil à cette carte. Très bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yarmak, en avant à toute vapeur. En avant à toute vapeur. Eh bien, c'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. Bon, attention, s'arrêter en route sur quelques trucs. Ok. Vous écoutez, vous voulez explorer le train. Eh ben, mais que ça va être très chaud bouillant. Ouais. Tu sais que j'ai... Alors,
Ouais. Eh ben, j'imagine que franchement... Y a-t-il, colonel ? Artyom, ce qui est fait est fait. C'est vrai, je ne t'ai pas empêché de sortir. Oui, j'ai essayé de convaincre qu'on ne le faire. Et oui, je ne t'ai pas dit qu'on n'était pas les seuls survivants. Même moi, je n'avais pas l'habilitation, pas à l'époque. C'est un secret d'État, tu comprends ? Je n'ai été habilité qu'après notre combat pour protéger Tessis. Ils ont dit qu'il fallait que je forme des recrues, parce que la guerre était toujours en cours. J'étais sur le cul, tu peux croire. Pourquoi on avait perdu tant de monde à Tessis? Pourquoi moi j'avais perdu mes jambes? Et j'ai compris. Puisque la guerre était toujours en cours, la sécurité passait avant tout. Les nôtres auraient compris. J'aurais vendu la mèche à tout le monde dans le métro. T'es un fou, on était toi, un messie. Il faut que tu pousses le peuple hors des cavernes. J'imagine que j'aurais pu sauver qui que ce soit. Tu te souviens du brouilleur? Et si Moscou avait été découverte à cause de toi? Et si on s'était pris les missiles? Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'ils pensent de moi, je suis pas un déserteur, et je ne le serai jamais. Je suis prêt à endosser toutes les responsabilités de cette histoire. Mais si jamais j'ai la moindre chance de rédemption, je la saisirai sans hésiter. Je veux dire que, comme un coureur qui a trébuché, nous devons continuer à courir encore plus vite pour garder l'équilibre. Et ne t'avise pas. J'espère bien. Enfin, au moins on sait dans quelle direction courir. Alors retourne à l'intérieur et regarde la carte. Notre route est tracée. Oui, chef. Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro ? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantaou, si on y arrive. D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi, et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses? Eh ben, faut voir, hein. Faut voir comment toute cette histoire... va se terminer. Enfin. Et bien en conclusion, il est très prenant ce jeu. Même s'il fait des fois, il fait un peu peur. Par contre, il faut que je monte la sensibilité de la caméra. La caméra ne tourne pas assez vite.
Bon. Attendre que ça finisse avant de pouvoir quitter le jeu. Je pense continuer ce jeu plus tard. Parce que ça me tente bien de faire ce genre de truc. Hein, mes petites matous. Après, c'est comme Assassin's Creed. Hein. Ce sera un jeu hyper long à finir. Ça, il y a tout qui veut que je finisse. Nous verrons. Tout dépendra de mon boulot. Mais en tout cas, il est très prenant ce jeu. Ouais, bref. Tiens, est-ce que c'est long de chercher? En jouabilité, il est pas mal, quand même. Sur un 8 sur 10, c'est presque ce que j'ai fait sur à peu près une heure et demie de jeu. Sur le contenu, il a l'air assez complet. Donc, après, je sais pas comment ça se passera, mais bon. Bon, la locomotive, d'après ce que j'avais lu sur le reste, était pas trop mal. On pouvait passer son équipement, se voir à peu près où on sentait le voyage, se balader, machin. Après, il n'y a pas une très grande mobilité, mais je crois qu'on pourra s'arrêter dans plusieurs villes et autres. Donc un 8. Dans les musiques, pas mal, franchement. Un 9, ça je m'ai nié. Le mode solo, elle a l'air très complet. Mais il y a encore quelques trucs qui sont un peu chauds. Donc ça, parce que c'est chaud. 0, pas de multi. Un graphisme, par contre, il est très beau. Donc, un 9,5. Et sur la note finale, on va voir en calculant. Hop, 8. Je fais tous en même temps. Hein. Donc, 8 plus 8. J'ai dit plus 8 plus 9 et plus 9 et plus 9,5 et divisé par 6. Je compte pas le 0. Un 7,5. On va en dire à 7 avec 7,5 sur 10. Donc pour l'instant il est très prometteur. Voilà en quoi c'est. Ah, par contre, j'ai oublié de changer. Ah merde, j'ai mis le SP. Ah, bien. Ok, bon. Pour cela, on va s'arrêter ici. Donc sur ça, voilà les deux jeux qui ont été présentés aujourd'hui. Bon, ben moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. C'était un plaisir de tourner ce live présentant deux jeux. Basic Chrome ainsi que Metro Exodus. Nous verrons par la suite les prochains jeux que je ferai en découverte mardi.